atelier de travail déroulé mercredi 31 janvier entre président de la République, là, Jovenel Moïse, avec membre conseil supérieur pour voir justice et assurer au frais. Débat ça y est centré sur renforcement appareil justice là, avec plus bonne cohésion pour l'État. Direction générale impôt DGI prolongée jusqu'à 28 février, date limite pour la déclaration définitive impôt sur revenu. Ministre touriste et industrie créative là, Colombe et DJ Simenon, si un mercredi 31 janvier, dans le protocole accord avec responsable plateforme Airbnb. À travers accord ça, l'État haïtien va responsable Airbnb aux libertés pour aider les gens qui veulent louer caille sur Internet et faire ça dans toute sécurité. Commission Kilti à communication Sénat, je t'en parle mercredi 31 janvier, avec ministre Kilti à communication Limon Toussaint. De cette organisation carnaval dans tout le pays, a été dans le temps de discussion. Et bien à l'étranger, dans le pays Brésil, ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, vivait devant dans l'intention de vote, malgré la dernière décision de justice qui l'appelle là, selon un sondage qui est publié mercredi 31 janvier 2018. Bonsoir tout le monde, jeudi, c'est jeudi 1er février 2018. Bienvenue dans l'édition Nouvelle Zan. Nous avons démarré l'information à ce qui concernait un télétravail qui déroulait mercredi 31 janvier en président de la République, la Jovenel Moïse, avec membre conseil supérieur pour voir judiciaire sous route frais. Débat était centré sur renforcement appareil justice là, avec plus bonne cohésion en trois pouvoirs d'État. Nous invitons à suivre un reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Ça fait deuxième rencontre de travail président Jovenel Moïse avec Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Objectif là, c'est de poser tout gros problème qui entravait bonne marche secteur ça, tant que modèle justice là, détention préventive prolongée à revendication CSPJ. Juste que, en trouvant, en touchant la paix du doigt, vous pouvez faire un bon diagnostic en même temps trouver le médicament. Cicatriser cette plaie. Et voire même guérir le mal. Équilibre entre trois pouvoirs de l'État et puis on apparaît justice remembrée, c'est qu'être la priorité chef de l'État depuis 7 février 2017 l'est monté sous pouvoir. Président Jovenel Moïse Klesoussa, en quel pays pas qu'à marcher bien si il y a corruption, impunité et mauvais système carcéral. Cette rencontre, cette fois de travail que nous avons. Ce matin, va nous donner la possibilité de trouver des pistes de solutions sur cette loi pour la corruption, l'impunité et la surpopulation carcérale. Je remercie le conseil, je remercie particulièrement le président. Pour l'invitation. Nous avons passé quelques bonnes minutes ensemble. Nous allons travailler pour la nation, pour le bien de ce pays, pour les générations futures, pour permettre aux Haïtiens, aux Haïtiennes d'avoir un lendemain meilleur parce que, comme je le dis chaque jour, la justice élève une nation. Et l'injustice est le problème. Il n'y a pas de pays, il n'y aura pas de développement sans une justice équitable. Après environ 2 heures de temps d'échange, à la tête de CSPJA, M. Cantave Jules fait qu'on est démarche pour renforcer le pouvoir judiciaire sous bonne voie. Participants sont d'accord pour faire une autre rencontre de travail, même genre, dans un temps qui n'est pas trop loin. Jean t'ai annoncé le titre Direction Générale Impôt DGI prolongé jusqu'à 28 février, date limite pour mon faire déclaration définitive impôt sur revenu. Directeur général Impôt Amira Desmorland qui t'a intervenu dans une conférence spéciale ministère communication mercredi 31 janvier dans l'occasion, m'a dit contribuable profiter prolongation ça pour faire déclaration yo pour yo pas tomber en bas sanction la loi. Mais plutôt suivre un reportage à Rachel Saint-Fort. Permettre plus monde faire déclaration définitive impôt sur revenu. C'est raison ça qui fait responsable direction générale impôt DGI prolonger processus là jusqu'à 28 février comme date limite
problème affiliation moun encombrement dans bureau de GIO, c'est quelques autres raisons qui expliquaient prolongation d'ATSA, d'après explication directeur général Emploi Miradin Morland. La déclaration définitive d'impôt est due et payable du 1er octobre au 31 janvier de chaque année. Mais faute de négligence ou bien pas de mauvaise foi, parce que mauvaise foi est trop fort pour me dire à citoyens haïtiens, frem avec ce mio. Donc nous décidons de bailler une prolongation jusqu'au 28 février. Donc j'en long jusqu'au 28 février. Pour tout le monde capable de vivre effectivement produit déclaration définitive sans problème. Au niveau de la DGI, dans tout bureau DGI, ils disposent des agents. Agents SAAO, c'est agents qui pour accompagner nous dans la déclaration, dans le produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu, sinon pas capable de remplir le bureau. Tout salarié qui a fait activité qui rentre l'agent doit venir à TSIN, NIFIO, pour faire déclaration définitive d'impôt. Ça va aider à bénéficier de l'autre service. Nous avons besoin de ces salariés. Nous avons besoin pour aller au ministère des Finances, pour aller au niveau de la direction générale du Trésor, pour le faire sortir en état de margement pour lui. Moi, je dis que c'est salarié l'État. S'il est public, sans gagner ou gagner pour demander, pas qu'on a un relevé, côté que ça le prélevé sur moi, côté le versé. Pour le prouver ça, vous comprenez ce que c'est? Pour le prouver ça, pour le prouver ça, et que leur vient remplir le vrai déclaration définitive d'impôt là, pour qu'on fait déduction en sous, pour qu'on ne pas subir double position. Parce qu'automatiquement, il ne va pas relever, et bien, ou vient nous devoir toucher tant qu'on vous prouver que c'est tant qu'on va toucher sous montant, on va là, c'est sous les taxes normalement. Directeur général Miradin Morland explique que DGI a travaillé sur un nouveau système pour améliorer la qualité de service là pour la population, hein, ça aide à combattre l'évasion fiscale, corruption et puis résoudre problème enregistrement plusieurs fois dans le système non. De l'autre côté, le directeur général l'a expliqué dans le mois qui a venu là, il a démarré avec service paiement avec déclaration en ligne dans l'idée pour permettre à la population de jouer service tout côté. Direction centrale en police judiciaire DCPJ présenté bilan opération li mené sorti 1er janvier 2017 rivé jeunesse jodia. Dans cadre opération ça Renal Mazil jeune arrestation à cause li gen dossier sou li comme moun qui t'a touyé yon citoyen français qui relé Jacques-Luc Dorville. Caroline Dalembert ak ekip li qui arrêté gen accusation sou dol comme moun qui t'a touyé Maril alors que Gerno Sanon Jean-Ernest Alexis à Kerbi Israël jeune arrestation yo pour braquage exam ak main armée. M'invite au suivre un extrait. Gagne 3 kg de drogue cocaïne qui saisi, gagne 95 kg de marijuana qui saisi, gagne 78 743 $ américains qui saisi, gagne 1245 cartouches et de différents calibres qui saisi par la DCPJ, 3 véhicules confisqués, 3 armes confisquées. Gagné 32 arrestations. Nature, trafic de drogue, vol de véhicules, homicide, assassinat, tentative d'assassinat, vol à main armée, braquage, viol sur mineur, détention illégale, ZAM. Direction centrale police judiciaire, arrêté Rénal Mazil, il a arrêté le dernier, pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sous un citoyen français, qui est Jacques-Luc Guerville, qui était fait dernier 50 le 26 mars 2017. Gerno Sanon, Kerbi Israël, qui continue que les Cliff ou Félix et Jean-Ernst Alexis. Ils ont arrêté Mounsayo pour assassinat, tentative d'assassinat, vol à main armée. Gagné tout le 18 janvier, jour arrestation. Hein. Monsieur Saha, à savoir Kerbi Israël et Jean-Ernest Alexis était dans succursale Unibank Fleurioa. Il a souvent utilisé Unison Pathfinder, c'est là-dedans justement pour toujours, où il est capable de même faciliter leur infraction pour aller. Gagné Gerno Cous et Gerno Sanon, et qui lui-même qui était à bon en BMW, tout ça. Nassonge était gagné Lionel Malbranche, qui était assassiné à Tabar 68 le 4 décembre 2017
pendant qu'il était sorti dans la succursale Unibank qui trouvait la zone d'Oumbala. Monsieur Sayo, justement, était dans les parages et c'est eux-mêmes, justement, qui impliqué dans le monde, qui ont fait signe sous Monsieur Sayo, qui joue ça sur cette transaction, côté que ils ont attaqué Monsieur Sayo, ils ont tué. Ils ont impliqué, justement, dans l'assassinat Monsieur Sayo. N'abgade là, il y a une jeune dame qui gagne 45 ans, qui est Gerline D'Alembert, qui lui-même avoue que il fait disparaître Maril. Le CPJ tout arrêté Ronald Lexi qui s'est ménagé lui, parce que dès que nous t'apprenons que Maril a disparu le 13 septembre 2017, Maril lui-même son employé aux Nations Unies, le CPJ rapidement a ouvert une enquête. Côté que monsieur prend téléphone et Harry Pierre qui jusqu'à présent est capable de joindre cadavre et dame dans lui-même n'est pas en mesure pour que lui-même nous côté monsieur tout enterré côté au assassiné là lui également côté enterré là parce que c'est un monde qui est engagé pour des actions mais nous n'avons pas aucune explication. Il a arrêté tout Jeff Kado dans cadre dossier ça qui continue que les Calibus et Marc Arthur Gabriel. N'a pas noté encore Harry Pierre est disparaître le 13 septembre 2017. C'est ex-épouse-lui, côté que, il est à vivre dans le même espace, parce que tu es venu séparer. Bon, décision, la justice sortit, côté que, il séparait bien, il partageait Kaila. Voilà que dame dans lui-même, il a choisi de faire disparaître ex-Marie-Li, qui sont jeunes garçons qui travaillent dans les Nations Unies. L'autre information dans le journal ça membre commission Kilti à communication Sénat chita parlé mercredi 31 janvier avec ministre Kilti à communication Limon Toussaint dossier organisation carnaval dans tout pays a été en mettant discussion yo 186 250 000 goudes c'est quantité l'argent qui dans budget carnaval là d'après président commission Kilti à communication sénateur Garcia Delva qui était dans micro Fédien confident avec Maurice Wilbridge. Nous parlons sur la question de sécurité dans le carnaval. Il y a des choses qui sont nouvelles que nous sommes gardés avec le ministre culturel comme président par là, président de la commission par là, que nous demandons pour la justice et d'accord avec nous. La justice a sous place pendant le carnaval. Des fois, il y a des gens qui font des bagarres dans le carnaval. Et puis, nous avons un instant qui a tout grand tribunal là-dedans. Qui tout grand tribunal là-dedans, ça demande qu'il y a tout jugé, sauf un bagage qui est mal, c'est pour arrêter ou apparaître, et même au cas surtout, peut-être dans le code que vous avez fait avec le comité carnaval là, et si il y a des bagages que le comité a amendé pour faire pas respecter. Nous parlons tous de critères pour que on dise participer dans le carnaval là pendant 3 jours de fédéo. Et une bagarre qui était intéressante, je ne sais pas si le pays en doit connaître, c'est combien de cobs qui ont dépassé dans le carnaval là. Ok? Et dans le pouvoir de contrôle, on a fait. Et il y a une provision qui a fait 286 250 000 gouttes qui a cherché. En fait, le trésor public déjà a eu 50 millions. Et dans 50 millions, qui sont qui ont déposé, ministre, Stanio, Espacio, les avenues, le champ de Mastan, le pays n'a pas jamais connu qui s'accorde à faire. Et je dis, le pays a bonne chance pour connaître qui s'accorde à faire. Et c'est, je dis, ma pas prendre que son bénéfice que le ministre a cherché de 16 millions de gouttes pour que limiter sous. Et le sale pour le garder avec sponsor, avec secteur privé, pour son escobe là. Nous satisfaits, mais nous continuons à rencontrer avec eux toujours, parce que automatiquement, au fin de sortie de l'ISNA, nous continuons à rencontrer avec eux et nous avons besoin d'un rapport qui est bien détaillé sur des points escobe là pour nation en carbone. Et nous avons l'autre côté que nous devons faire encore avec le comité. Il faut nous donner 6 millions de gouttes, ce n'est pas 6 millions de gouttes pour nous, 6 millions de gouttes pour Mounsaïo. Pour Mounsaïo qui pourrait aller. Qui peut aller ou même qui ne peut pas venir dans le carnaval, c'est des gens qui peuvent aller dans le camp, c'est des gens qui sont protestants. Parce que je dis, et le carnaval, moi-même, pas dans le sous-sol de masse là, mais que l'autre monde, tout, c'est notre train d'aller. Et dit, il faut que nous tenions compte de nous. Et nous regardons la 6 millions de gouttes, mais nous avons une réponse que le ministre de l'Intérieur avec le directeur général, même si nous n'avons pas de 6 millions, nous pouvons le dégager quand même, on faut quand même pour que nous joignent et pour payer, on est la première comme ça, la première avec l'organisation monde qui est dans la culture. Toujours sous le même dossier, ministre Kilti à communication à Limon Toussaint, fait qu'on est
toute disposition déjà prend pour organisation carnaval la année ça. Yo prévoit mettre un fond environ 6 millions goud pour monde qui bral nan kan. Yo extrait toujours dans micro Fedia confident ak Moïse Wilbridge. C'est une rencontre qui sorti très satisfaisant côté que nous entendons sur certaines choses et li là pour les contrôler et nous bal toute explication que li mérité sous question carnaval là qui en faveur population haïtienne et pour faciliter bon déroulement carnaval là en dans pays. Nous t'ai parlé sous question de budget, sous question de choix groupe, nous t'ai parlé de différents défilés qui gagne pour fête et nous t'ai parlé encore que d'autres religions qui doivent joindre support l'État parce que il y a diverses façons que moun yo capable épanouir. Nous prévoit un budget de 186 250 000 gourdes. C'est ça nous prévoit. Et notre trésor public déjà a 50 millions qui là. Et nous dit que l'autre 16 millions nous prévoit avec question de stangio côté chaque ministère a payé stangio, chaque monde qui a besoin, chaque institution a payé stangio. Et c'est secteur privé à tout à bail sponsor pour nous capables arriver connecter ça pour bon déroulement carnaval là. Ministre Tourisme et Industrie Créative là, Colombe Emilie Jesse Menos, signé mercredi 31 janvier, un protocole accord avec responsable plateforme Airbnb. À travers accord ça, l'État haïtien ba responsable Airbnb au liberté pour aider moun qui voulait louer kay sur internet pour faire ça dans toute sécurité. Johnny Arbi Kaseus a présenté nous un compte rendu. Airbnb c'est une plateforme en ligne. Il gen pour mission aider moun louer appartement sur internet. Plateforme ça qui est basée San Francisco, dans le pays États-Unis, déjà présent dans plus de 192 pays sous la terre. À partir du protocole ACOSA qui signe entre l'État haïtien et le responsable Airbnb, les gens qui veulent louer touriste ou soit appartement sont capables de faire plus facile. Concerné, a bien pour ouvrir un compte sur le site Airbnb, la poster photo là et puis fournir toute information sur ça. C'est pour une photo propriétaire en mettre sous site. Donc propriétaire on va décider combien pour pouvoir charger pour lui et puis il dit que de l'autre détail là mais son processus qui est très facile. Initiative ça rentrer dans le cadre démarche l'État a mené pour encourager plus touristes visiter pays là. Selon le ministre Tourisme et Industrie Créative, Colombe Émilie Jessie Menos. Donc c'est comme ça que au présent, c'est mon tour Airbnb, pas rien l'hôtel, ni pas rien, c'est partenaire que rien, les partenaires à travers le monde. Donc il y en a 65 000 villes, il y en a 191 pays, et je dis là, il y a en Haïti tout, et il y a 26 ans, on ne peut d'accord, de façon que le ministère Tourisme lui-même est capable au moins d'assurer le service que vous avez, parce que nous voici si un protocole d'accord avec eux pour montrer que tout le monde, même qui n'est pas capable de faire, mais comment est capable de rentabiliser. Responsable Airbnb, au fait qu'on est prêt pour organiser ces séminaires de formation dans l'intention de tout citoyen qui est intéressé à rentrer comme membre de la plateforme. Ça. Merci Herbi ak Jordani. Dans l'occasion yon conférence et spéciale, ministère communication recevra mercredi 31 janvier, ministre environnement Pierre Simon Georges qui pote précision sur yon ensemble mezi yon prend pour protéger population ak environnement. Exploitation minière, produit non biodégradable qui difficile pour recycler ak oiseaux migrateurs ak gibier dans de l'eau, c'est différents points ministre Pierre Simon Georges abordé dans conférence si là. Nous invitons à suivre yon extrait dans micro Rachel Saint-Fort. Grâce à un gros programme que nous mettons sous pied, qui c'est les centres de germoplasme, nous travaillons en pile pour nous arriver reboiser le pays. Jean gouvernement Mandel, Jean président Mandel, Jean nous connaît, Mandel nous ça dans la feuille de route. Nous. Pour nous permettre maintenant que les oiseaux soient capables de tourner, vivre dans la flore là. Vin nan fon nan, excusez-moi. Vini encore faire beauté nature. La beauté environnement. Au niveau du ministère de l'Environnement, nous mandons un moratoire de 3 ans.
Question exploitation sable n'importe façon, n'importe côté. C'est un autre point, ministre environnement abordé dans l'intervention. Ministre Pierre Simon Georges a annoncé qu'il y a une disposition qui prend pour mettre l'ordre dans le secteur. Ça, il y a un autre extrait. Nous allons montrer l'image sacrale sortie, mon cabrit, que Port-au-Prince est en danger. Que pylône électrique presque fin tombé et qui a produit un pile danger, un pile malheur. L'autre monde Gabri, qui est-ce qui passe là? Tout le monde. Député, sénateur, président de la République, magistrat, ambassadeur, ressortissant tout pays. Donc son danger public et pour nous autres citoyens haïtiens et pour tout monde tout étranger. Et situation ça li presque même bagaille presque tout côté dans pays. Chaque côté viré dans pays c'est exploitation sable de façon anarchique. Ministère de l'environnement, ministère des travaux publics a prend des décisions et dans une dernière correspondance que moi fait voyer by ministre travaux publics là et que m'gain copie là que m'cali pour nous moi mandé pour que direction générale des mines prend des dispositions pour le dire à travers pays à travers tout département et à travers toute commune qui côté moun à exploiter sable et pour y fixer toutes les conditions de l'exploitation. Nous conscients au niveau de l'État, nous conscients au niveau ministère de l'Environnement que nous pas capables de fermer construction. L'autre nouvelle, un petit séminaire collège Saint-Martial gagne un nouveau bâtiment. Nouveau bâtiment ça inauguré mercredi 31 janvier pour permettre élèves qui dans classe primaire continuer suivre cours. Cérémonie inauguration ça a déroulé en présence archevêque Port-au-Prince Max Leroy Mésidor et puis quelques anciens élèves institution ça. Ensemble travail pour mettre bâtiment ça campé rivé possible grâce à film construction comment ça. Un reportage René Dorléon a présenté nous. Petit séminaire collège Saint-Martial, c'est une parmi diverses écoles qui était écrasée pendant le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Une année après, responsable dans l'école ça a inauguré un deuxième bâtiment dans l'espace là qui pourra permettre aux élèves qui dans la section primaire continuer à suivre cours. Nous faisons un pile sacrifice et nous faisons un pile parcours, nous sortons loin. Je dis que c'est un jour d'action de grâce. Nous disons bon Dieu merci pour force. Qualité de chaque monde dans la façon qui a été collaboré. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas encore fini. Donc, bon, il y a toujours capteur nous. Donc, bon, primaire, c'est fini. Mais nous avons secondaire, qui est encore sur un gars. Et nous pas arrêter là. Donc, nous travaillons toujours très dur. Pour nous réformer, nous sommes capables tout de suite, dans le temps qui part trop loin, nous capables de faire quelque chose pour ce secondaire-là. Dans l'occasion, vice-président Chambre député Caleb Deramo, qui est un parmi anciens élèves de l'école SAA, manifestait contentement pour ensemble travail qui est déjà fait et puis souhaitait un autre bon partenaire petit séminaire collège Saint-Martialio continuer à collaborer avec l'école-là, une manière pour finaliser le reste travail dans l'institution SAA. Pour section secondaire. Moi, je fais partie de monde qui est ce grand rêveur aux constructions Saint-Martial. D'ailleurs, c'est membre amical là. Vous remarquez, malgré fonction de député, moi là, je suis là comme député, je suis là comme ancien de Saint-Martial. Donc, ça veut dire, si on fait de famille qu'on fait là, c'est tout en réjouissance. La seule chose en plus dans nous, et différents signes là, dans ce qui concerne les constructions Saint-Martial, là, c'est aux constructions Willa Mar. Secondaire là, c'est une construction où j'ai frère, parce que nous pas ouvrir sur même l'aile. L'aile primaire ouvre sur la main, l'aile secondaire ouvre sur j'ai frère, donc ça veut dire que c'est tout ton pas.
Donc pour nous, c'est carrément un rêve qui continue à prendre cher comme réalité. Et nous, on est dans la réalité, on continue à vivre. Et je veux dire, comme on fonctionne l'État, donc ça veut dire quelque part, mais ça, il y a une construction, on va pouvoir aller plus loin. Donc c'est un rêve pour nous, c'est un rêve tout ancien de Saint-Martial. Parce que Babli, année, ça a fait environ 23 ans dans le 95, oui, ça va faire 23 ans depuis quitter Saint-Martial. Mais depuis nous tournons là, sous la cour, toutes les qui étaient élèves, c'est le même sentiment d'école là. Donc là, son espace de famille, son espace de rêve, nous souhaitons le reconstruire rapidement et nous chaque abroumé pour faire petit bâtiment nous pour le construire. Travail reconstruction premier bâtiment, section primaire, a été inauguré dans la date 15 octobre 2015. Là. Inauguration deuxième bâtiment qui fête jeudi mercredi 31 janvier, marqué finissement ensemble travail reconstruction classe primaire. Dans l'idée pour attirer attention population hein, sous problème santé et puis aider le fait prévention, une équipe télévision nationale d'Haïti a rencontré 30 janvier 2018 là Emmanuel Fils-d'Or, un étudiant mémorant faculté agronomie et médecine vétérinaire université l'État souris santé barbecue. Emmanuel Fils-d'Or identifié plusieurs problèmes santé qu'il y a consommation barbecue et puis fait quelques propositions dans façon barbecue ta doué préparé. Un compte rendu Audley Noël. Le barbecue, lui-même, dans le mode de préparation, il utilise charbon de bois. Et dans la combustion directe charbon de bois, il est capable d'avoir deux substances THAP, c'est hydrocarbures aromatiques polycycliques, et puis AAH, qui c'est amine aromatique hétérocyclique. Mais deux substances, vous reconnaissez les cancérigènes. Et les cancérigènes. L'on consomme, il ne peut pas le tuer rapidement, mais ça a les toxicités par bioaccumulation. On moun ka ple de manger barbecue, la fini par gagner des problèmes cardiaques par exemple. Surtout, gen yon graisse qui kon tombe, le moun yon a grillé vienne. Gen yon graisse qui kon tombe sous foyer, elle pousse en fumée. Et bien, c'est dans fumée ça que wap trouvé pour HAP, AAH, nous t'a parlé nous, et HAP, que nous parlé de lien. Quel autre problème encore, barbecue, yon capable? Il est capable de toxicité, de toxi-infection alimentaire. Ça signifie. C'est le fait que l'aliment soit manqué cuit, et puis microbes qui retenent dans la viande, les bailles de troubles intestinaux, etc. Nous commençons la préparation. Hein? Dans la préparation barbecue, d'abord, vous êtes supposé utiliser dans le grillage, là, vous êtes utilisé grillant, vous êtes supposé utiliser des papiers en aluminium, des papiers de cuisson qui sont spéciales pour couvrir viande, pour empêcher que mon contact direct de viande ensemble avec foyer. Ou même, téléspectateurs, par exemple, qui mangent une viande, vous avez des parties noircies ou qu'on ouvre, eh bien, il faut tenir à ce que vous retirez des parties noircies. Des hein. Parties qui douent en pile là. C'est graisse là, il n'est pas bon pour santé. Pour les gens qui a fait barbecue, je conseille en graisse, pas exposer viande directement à chaleur. Là. Et il faut respecter une distance environ 10 à 20 cm entre côté charbon et viande. Malheureusement, machine barbecue, ou pas gagner ça ou des thermomètres à pic. Thermomètre à pic là permet ou degré de température, degré de cuisson pour là à l'intérieur ou bien viande là à l'intérieur. Degré de cuisson là pas supposé dépasser environ entre 74 degrés Celsius et 84 degrés Celsius, il pas supposé dépasser intervalle ça. Pourquoi il est là, c'est moment pour nous prendre une pause dans le journal là, pas déplacer n'a tourner. Musique
Dans l'actualité internationale, là, dans le pays Brésil, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva arrivé devant l'intention de vote. Malgré dernière décision, justice coup d'appel là, selon un sondage qui est publié mercredi 31 janvier. Luiz Inácio Lula da Silva a estimé qu'il a fait en 34 à 37% depuis premier tour, devancé largement député extrême droite là, Jair Bolsonaro, qui lui-même arrivé entre 16 à 18% dans l'intention de vote. Nous invitons à suivre un reportage. Luiz Inácio Lula da Silva, 72 l'année, dans environ 34 à 37% intention vote selon résultat et un sondage qui réalisé bon côté 2826 moun 29 à 30 janvier. Lula da Silva a remporté largement intention vote pour élection présidentielle alors que dans le mois octobre passé a été condamné pour corruption et une situation qui a empêché le présenter dans l'élection. Toujours d'après sondage ça, Lula a devancé largement député extrême droite là, Jair Bolsonaro, qui lui-même fait entre 16 à 18% intention vote yo. Plus yo persécuté, c'est plus m'a monté dans sondage yo. Ces déclarations Lula samedi passé dans un message vidéo, une conférence internationale dans le pays Éthiopie, côté un juge t'a empêché d'aller, l'elle t'a saisi passeport. Un atelier de travail déroulé mercredi 31 janvier entre le président de la République, là, Jovenel Moïse, avec membre du conseil supérieur pour voir justice à sous haut frais. Et Bassayo est centré sur renforcement appareil justice là, avec plus bonne cohésion entre pouvoir l'État. Direction générale impôt DGI prolongée jusqu'à 28 février, date limite pour la déclaration définitive impôt sur revenu. Ministre touriste et industrie créative là, Colombe Émilie Jessimenos, si un mercredi 31 janvier, un protocole accord avec responsable plateforme Airbnb. À travers accord ça, l'État haïtien ba responsable Airbnb aux liberté pour aider les gens qui veulent louer caille sur Internet pour faire ça dans toute sécurité. Commission Kilti à communication Sénat, je suis en parler mercredi 31 janvier à ministre Kilti à communication Limon Toussaint. Dossier organisation carnaval dans tout pays a été dans le temps discussion. Et puis à l'étranger, dans le pays Brésil, ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, rivé devant dans intention vote malgré dernière décision justice coup d'appel là, selon un sondage qui est publié mercredi 31 janvier 2018. Là. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. Restez branchés, Télévision Nationale d'Haïti, pour suivre cette programmation. Bon après-midi tout le monde.